Cher public, l'association Cirque et Festival, organisatrice du Festival des artistes de cirque, remercie le Joa Casino César Palace de Saint-Paul-les-Dax, la municipalité de Saint-Paul-les-Dax et le conseil départemental des Landes pour leur soutien déterminant apporté à la plus grande manifestation régionale des arts de la piste. Merci à vous tous. Chers amis, ces jeunes acrobates ont goûté au festival l'an dernier à l'occasion des séances scolaires avec leur CM2. Cette année, ils ont intégré la nouvelle section Cirque du Collège de Capbreton. Ils nous présentent un nouveau numéro en collaboration avec les monocyclistes du CM2 de l'école d'Osegore, sous couvert de l'école de cirque Galeprini. On les applaudit très fort!
les jeunes artistes du CN2 de l'école d'Ossegger et l'école de cirque Galeprini. Thank you.
Elle est où la troupe chinoise? Bon, on peut pas attendre. C'est l'heure du spectacle. On doit commencer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, cher public, ravi de vous accueillir au 20e Festival International des Artistes de Cirque de Saint-Paul-les-Dax. Et pour célébrer notre anniversaire, nous avons préparé un spectacle un peu différent de l'habitude. Je vous laisse le découvrir. Place au cirque! La serre, les anciennes blessures.
Par Snia Detistova. Prochain artiste est, comment puis-je vous dire, vraiment timide. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils.
Rico Pires. À une toute nouvelle création, Fil ou Face, qui raconte le voyage intérieur de Nico au travers de ses diabolos. Tout de suite, regardez avec stupeur cette jeune artiste ukrainienne qui joue avec l'utilisation de l'espace et de la dynamique. Pour vous, Alessia Rimiliar. Thank you.
Il se produit pour la première fois en Europe, d'Ukraine, Alessia Himiliar. A déclaré, les clowns fonctionnent aussi bien que les aspirines, mais deux fois plus vite. Fraser Hooper rend hommage au grand comique silencieux, mais toujours avec une touche résolument contemporaine. Pour vous, de Nouvelle-Zélande, Fraser Hooper! Thank you.
Thank you.
cher public, maintenant, Shazlan va tenter un triple saut périlleux avec une vrille. On applaudit Shazlan. Mwene wando kala benyaba, e mengondo yange, muna
Zambi wangi pona mona gamufalele mwanyeze wando kala benyaba eme ndondo ya mye mwenye mona mwenye mona mona mwenye katungamba mona mona mwenye mona mona mwenye katungamba. Aluke n'ungola fwa gamu bingi kiaze mwenye wando kala benyaba eme ngondo yame mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye kadunga mkumba zambi wangi pana mona gamu valele mwenye wando kala benyaba eme ngondo yame mona mwenye suya weza mona mona mwenye kadunga mkumba mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye kadunga mkumba zambi wangi pana mona kamufalele mwanyeze wando kala benyaba eme ngondo yange mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye kadunga mkumba mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye kadunga mkumba mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye kadunga mkumba. Mona mona mwenye katungamba mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye katungamba aluke n'ungola fwa gamu bingi kiaze mwenye wando kala benyaba eme ngondo yamye mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye katungamba mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye katungamba aluke n'ungola fwa gamu bingi kiaze mwenye wando kala benyaba eme ngondo mona mona mwenye mona mona de Kazakhstan aux sangles aériennes Darken. Mona mona mwenye, kesi ya mesa. Mona
oui, oui. Fraser Hooper!
internationale. Le cirque de Monte Carlo, mais hors compétition ici, du cirque Nicoline de Moscou, Anastasia Fegotova. Un numéro dans lequel on peut tous participer, c'est l'entracte. Gardez bien vos tickets. Si vous devez sortir du chapiteau, ils vous seront demandés. 20 minutes d'entracte. Merci et à tout de suite. We'll be right back.
She long and lean and never meal. She ties my sherry, my man. She's my baby. She's my big crazy. Now a love like mine, she'll never be denied. I want to hug and a kiss and a lot of being a mess all the time. All the time. Now I said, why me? Why me? Why me? Why? Watch it happen. She's come back to me. Why me? She's come back to me. Why me? Now I said, why me? Why me? Why me? Why? And why she had to run away from me? It's a mystery. And I love her more today than I loved her yesterday. When I do that, she's come back to me. I got a feeling, so I'm gonna make
J'ai le grand plaisir de vous présenter le président du festival, Monsieur Bruno Lenoy. Bonsoir à tous. Donc, évidemment, ça fait 20 ans. Vous savez, organiser un tel événement, c'est d'abord une aventure humaine. Et pendant 20 ans, ben, on fait beaucoup de rencontres. Et lors de ce festival, de cet anniversaire, je voulais fêter, célébrer, rendre hommage à des gens que j'ai rencontrés lors de la deuxième décennie, qui sont devenus des amis et qui nous ont beaucoup aidés finalement à progresser et à améliorer la qualité, tant en termes d'organisation qu'artistique de ce festival. Alors je vais vous raconter cette petite histoire d'amitié en vous présentant le jury, car ils sont tous aujourd'hui dans ce jury. Voilà. Donc ça a commencé en 2009. Je reçois un email pour faire partie du festival international d'IJESC en Oudmourtie. Alors vous, évidemment, vous savez tous où se trouve l'Oudmourtie. Moi, je ne savais pas. Mais je n'ai pas cherché à savoir. J'ai dit oui de suite, parce que je savais que c'était en Russie. Et j'avais un vieux fantasme, quand j'étais jeune, c'est d'aller à l'URSS. Donc j'étais comblé. Et puis, j'y vais. Cette personne qui m'a invité m'a présenté le président du festival. J'ai eu un gros choc. Je me suis dit qu'on avait du boulot. On avait beaucoup de choses à apprendre pour progresser. Donc j'ai bien regardé ce qui s'est passé.
Et puis, lors de ce festival, j'ai fait plein de rencontres. Cette personne qui m'a envoyé cet email est devenue un ami proche. C'est le vice-président du Cirque Nicolin, chargé des relations extérieures. Il parle français couramment. Je vous présente Alexander Ogurtsov. Je suis donc à Ijevsk et je rencontre le président du festival. Alors ce président du festival est devenu plus tard ministre de la culture d'Oudmourtie, ensuite directeur général de la compagnie d'État russe de cirque, Rosgo-Cirque. Nous sommes également devenus amis. Il m'a donné pas mal de conseils. J'ai appris beaucoup de choses aussi à son contact. Je vous présente M. Dmitri Ivanov. Et donc, de cette participation dans le jury à Ijevsk, je suis invité à participer au jury du Festival des jeunes artistes de Moscou. Et là, je rencontre son président, M. Boris Fedotov. Puis je reviens à Ijevsk, quelques années, au bout de 3-4 ans à Ijevsk, Alexander me dit, écoute Bruno, je vais te présenter un agent qui passe sa vie dans les avions, il connaît beaucoup d'artistes dans le monde, il organise des spectacles, il est producteur aux États-Unis, il a été producteur en Russie, il est d'origine russe, mais vous allez voir son nom. Eh bien, il m'aide beaucoup depuis, surtout à aller chercher des numéros moins connus. Il s'appelle Peter Dubinsky. Et puis de retour à Moscou, je rencontre un senior chef casting qui est français, Philippe Agoguet. Vous avez remarqué que depuis quelques années, il fait partie de notre jury, qui est séduit par le festival, se crée un partenariat entre le Cirque du Soleil et notre festival. Et puis il me fait rencontrer son directeur de casting, son directeur général de casting. Il lui parle beaucoup du festival. On discute, puisqu'il parle bien français, c'est plus facile. Et puis il a décidé pour ce 20e anniversaire de traverser l'océan. Il est arrivé directement du Canada, exprès pour ce festival. Je vous présente M. Pavel Kotov. Et toujours à Moscou, me vient l'idée, vous vous rappelez, on est un festival européen, me vient l'idée de faire un festival international. Parce qu'il y a beaucoup de numéros chinois, mais il faut un bon agent. Et donc, on me présente un agent chinois qui parle français. C'est une chance. Donc, eh bien, on a travaillé directement ensemble. Il est très professionnel. Il est aujourd'hui dans le jury. Je vous présente Mi Lu. Et puis, lors du 12e festival, lors de l'année France-Russie, Alexander me dit, écoute Bruno, il faut que tu invites Maxime Nikoulin. Bon, ce nom en Russie est une légende, hein. Et il me dit, invite-le. Bon, et Maxime vient, président du jury ce jour-là, pour l'année France-Russie. Je pense qu'il est séduit par ce qu'on produit. C'est lui qui m'invite directement pour faire partie du jury à Moscou. Mais depuis, nous sommes devenus également amis. Il est souvent dans notre festival. Pour cette 20e édition, eh bien, il nous aura beaucoup aidé. Il aura beaucoup contribué, vous verrez, au succès de ce spectacle. Je le remercie. C'est également un partenaire officiel du Festival de Saint-Paul et d'Ax. Je vous présente le président de ce jury, M. Maxime Nikoulin. Et maintenant, je laisse la place à ceux qui ont légitimité à être sur la piste, les artistes. Bonne fin de spectacle.
passionnant et palpitant, ce numéro exceptionnel exige de la force, de la souplesse, de la coordination et des nerfs d'acier. Du cirque Nikouline de Moscou, Maria Andreeva. Thank you.
Francesca Nicolin de Moscow, Maria Andreeva. Public pour cette 20e édition du festival. Nous sommes très fiers d'accueillir sur la piste de Saint-Polydax le ballet du Cirque d'État de Minsk sous la direction de Miss Alona Batchen. On les applaudit très très fort. Mais vous savez, un spectacle de cirque n'est pas seulement les artistes talentueux qui travaillent au centre de la piste aux étoiles, il y a aussi les artistes qui travaillent dans l'ombre. Donc, je voudrais bien remercier notre équipe sans lumière sous la direction de M. Vincent Corcar, LMS. Au son, Vincent. À la lumière, Arnaud. Caché derrière à la vidéo d'Orion, les poursuites Vincent et Thomas. Un grand merci pour notre régisseur général, Monsieur Francis Noblesse. Notre régisseur artistique, Monsieur Marco Biasini. Notre équipe de piste, thank you so much guys, you've been wonderful. Le grand orchestre du festival sous la direction de Monsieur Carmino D'Angelo. La nouvelle compagnie Santos pour ses magnifiques chapiteaux. Et sans oublier, bien sûr, nos 120 bénévoles. Merci à vous tous. On les applaudit très très fort. Merci. Thank you.
Thank you.
Fraser Hooper. Yeah.
I put a spell on you. Because of mine. You better stop the thing they do. Thank you.
duo Vladimir. Sous les étoiles du cirque, ces deux jeunes femmes âgées de 19 et 20 ans se trouvent en toute liberté. Cette performance visuellement époustouflante montre une confiance totale entre ces deux jeunes artistes. Elles nous viennent directement de Biélorussie, inédit. The Revival.
de Bellavici, The Revival. Au début du spectacle, la troupe chinoise n'était pas en piste car ils ont raté l'avion. Alors là, je suis très heureuse de vous annoncer qu'ils viennent d'arriver en train, la troupe acrobatique de Dalian. Thank you.
Céline, la troupe acrobatique de Dalian. Depuis le début, ils sont l'âme et cœur de ce festival, et sans eux, il n'y aurait pas de festival. Je parle bien sûr de nos 120 bénévoles. À vous tous, merci du fond du cœur. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire la souciance. À deux, amis, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir, bien plus loin que la rêve. Avec la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les mains pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai. Ma chanson est naïve, la main peut mettre des liens inoffensifs. Et même si elle ne change pas le monde, elle nous invite à entrer dans la ronde. Pour toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. L'espoir, l'ardeur, ton
Et voilà, chers amis, oui, le spectacle est fini, mais ce n'est pas encore terminé, car c'est le moment de savoir qui seront les grands gagnants de cette 20e édition du festival. Donc, je vais demander à tous les artistes, can everybody please sit on the ring fence? Can everybody please sit on the ring fence? Les enfants aussi, vous trouvez une petite place, asseyez-vous au bord de la piste. Voilà, et les danseuses aussi. Super. Alors, on va commencer. Je vais passer tout de suite le micro à Monsieur le Président. Ah, mais on attend les trophées, parce que sans les trophées, on ne peut rien faire quand même. Et moi aussi, j'ai besoin d'une liste. Bon, on va commencer. Alors, c'est le 20e festival, donc avant de remettre les prix aux artistes, je voulais quand même remercier une équipe, parce que pour arriver à tenir 20 ans, à produire un tel spectacle, il ne faut pas une somme de professionnels, d'individualité, il faut une équipe. Et cela fait 20 ans que nous avons les mêmes techniciens, son et lumière, le même régisseur artistique, que nous avons le même loueur de chapiteaux, que nous avons le même régisseur général et que nous avons le même orchestre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire quelque chose de cohérent. Donc, je voudrais appeler à côté de moi deux personnes qui sont là aussi depuis 20 ans, qui sont bénévoles. Alors l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé depuis 20 ans ont reçu un petit présent lors d'une soirée avec les artistes, lors des répétitions. Et deux n'ont pas été oubliés mais n'ont rien reçu parce que elles ont un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'elles travaillent en amont. Je vais les appeler, c'est Edith Bernis et Sandra Poyardon. Alors c'est pas prévu, hein. Bon, mais Edith, elle doit bosser. Voilà, quand on fait des surprises, ça marche pas. Ah, elle est là. Alors, Sandra a démarré il y a 20 ans avec nous, voilà. Elle était salariée du casino, mais également bénévole pour le festival. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'aujourd'hui, elle est directrice générale du Joa Casino César Palace. Et malgré tout, elle n'a pas abandonné ses tâches. Elle continue à s'occuper des VIP, du jury, des transferts. Voilà, donc on peut l'applaudir. Edith, elle est là aussi depuis 20 ans. En amont, avec nous, elle nous cherche les sponsors. Et elle coordonne cette centaine de bénévoles, parce qu'il fallait quelqu'un pour les coordonner, vous imaginez bien. Voilà, donc félicitations à toutes les deux. Donc je vous disais, une équipe de techniciens, j'aimerais les récompenser aussi. Donc je vais appeler Carmino D'Angelo, Alain Santus, Marco Biazzini, Francis Noblesse et Vincent Coquart, s'il vous plaît.
Alors Francis, il est où? Il arrive. Donc voilà, Marco a démarré ici avec son papa. Il a eu un enfant ici. Et 20 ans plus tard, il est toujours... Oui, il est né ici. 20 ans plus tard, il est toujours là. Et il manque Jean Ribul. Il est où, Jean? Voilà. Excusez-moi. Voilà. La première personne avec qui on a démarré le festival, c'est Carmelo D'Angelo. Il me fallait un professionnel, c'était lui. Il était chef d'orchestre, il est toujours chef d'orchestre. Il est venu avec l'orchestre de Jean Ribul, qui est toujours là aussi. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons le chef et l'orchestre. On peut les applaudir. Vincent, son et lumière, ben écoutez, il nous fait un travail formidable. Et Francis, c'est celui qu'on ne voit pas, le régisseur général qui s'occupe de tout ce qui est sécurité, tout ce qui est organisation extérieure. Et c'est monsieur Géo trouve tout. Alors, je vais leur remettre leur trophée. Alors, je vais vous dire quelque chose d'important. La semaine dernière, on a reçu une visite. Elle s'appelait Amélie. Et Amélie, elle n'était pas sympa. Elle nous a fait très peur. On n'a pas dormi de la nuit. Et les rares personnes qui m'ont téléphoné pour me demander si ça s'était bien passé, si le chapiteau avait survécu, quand je leur ai dit oui, ils m'ont dit c'est un miracle. Mais non, c'est pas un miracle. C'est dû d'abord à la solidité et à la fiabilité des installations de la compagnie Santus. Mais c'est également dû à la solidarité de toutes les personnes que je vous ai présentées, qui n'ont pas dormi de la nuit, qui se sont accrochées et qui ont sauvé le chapiteau. Et je vous assure, j'avais peur. Donc on peut leur dire bravo, sincèrement. Carrie, c'est à toi. Ah, mais c'est à moi. Super. Juste un petit mot pour les artistes. Don't forget, when you get your prize, stand in the middle because it's time for a good photo opportunity. So make sure you stay in the middle for a few seconds. OK, on va commencer avec les prix spéciaux. Pour remettre le prix du docteur Gell, historien du cirque, j'appelle Madame Danielle Gell. Le prix du docteur Gell est attribué à Credo. Les deux prix du secours populaire, j'appelle Madame Salmon. En fait, on a deux prix. Alors, le premier prix, l'artiste, pour le prix du secours populaire, est attribué à la troupe acrobatique de Dalian. Et le deuxième prix est le prix des 20 ans. Et le prix des 20 ans est attribué à Edith Bernice qui représente les bénévoles. Edith! Edith! Ouais. Mais dans la place. Merci Sandra. Merci. Pour remettre le prix du Club du Cirque, j'appelle Françoise Gervas et Christian Leder.
Et le prix du Club du Cirque est attribué à Nico Pérez. Pour remettre le prix Bretagne Circus, j'appelle Monsieur Eric Gaillardon. Et le prix Bretagne Circus est attribué à Alexandra Sobolieva. Pour remettre le prix des bénévoles, j'appelle Monsieur Robert Lynx. Et le prix des bénévoles est attribué à Alessia Rimilliard. Pour remettre le prix de la compagnie du Cirque d'État d'Ukraine, j'appelle Monsieur Kabakov. Et le prix de la compagnie du Cirque d'État d'Ukraine est attribué à Muse par Tsnia Detistova. Pour remettre le prix de l'agence artistique Milou, j'appelle Monsieur Milou. Et le prix de l'agence artistique est attribué à Duo Revival. Pour remettre le prix Firebird Productions, j'appelle Monsieur Peter Dubinsky. Et le prix de Firebird Productions Incorporated est attribué à High Five! Pour remettre le prix de la ville de Saint-Paul-les-Dax, j'appelle Catherine Delmont, maire de Saint-Paul-les-Dax. Et le prix de la ville de Saint-Paul-les-Dax est attribué à Anastasia Stekhan-Fedotova.
pour remettre le prix du jeu à casino César Palace. J'appelle Sandra Poyardon. Et le prix du jeu à casino César Palace est attribué à Maria Andreeva. Pour remettre le prix du public, j'appelle Monsieur Roland Dubord. Et le prix du public est attribué à la troupe acrobatique de Dalian. Pour remettre le prix du Cirque du Soleil, j'appelle Monsieur Pavel Kotov. Et le prix du Cirque du Soleil est attribué à Darken. Pour remettre le prix spécial du président du festival, j'appelle Monsieur Bruno Lenoy. Alors, pour le 20e, en tant que président, j'ai décidé d'être généreux et d'attribuer 3 prix spéciaux du président. Je vais commencer par le premier, qui est pour moi le plus important. C'est la bénévole des bénévoles, c'est ma collaboratrice, sans qui ce festival ne pourrait pas se faire. On organise tout ça à deux. On démarre décembre, janvier jusqu'à maintenant. On fait un travail pour 5 personnes. Elle travaille pour 3 au moins. Et si elle devait s'arrêter, tout s'arrêterait. Donc je veux lui remettre ce soir le prix spécial du président. J'appelle Valérie Moras, s'il vous plaît. Valérie. Je voudrais remettre également le prix spécial, le deuxième prix spécial du président à Anastasia Stikhan-Fedotova. Et le troisième prix, mon troisième prix, il va revenir au ballet du Cirque d'État de Minsk et à la maîtresse de ballet, Alena. Où est Alena? Alena Batia. Voilà, elles ont fait un super boulot, elles ont préparé leur travail à Minsk avant d'arriver, donc on peut vraiment les féliciter. Pour remettre le prix du cirque Nikoulin de Moscou, j'appelle Maxime et Yuri Nikoulin. Et le prix du cirque Nikoulin de Moscou est attribué à
Monsieur Bruno Leloy. Pour remettre le prix du jeune talent de Moscou, j'appelle Monsieur Boris Fedotov. Et le prix du jeune talent de Moscou est attribué à Monsieur Bruno Leloy. Qui ne savait pas. À travers moi, c'est toute l'équipe du festival qui est remerciée. Pour remettre le prix spécial du jury, j'appelle le président du jury, Monsieur Maxime Nicouline. Et le prix spécial du jury est attribué à Nico Pérez. Et chers publics, cette année, on a créé de nouveaux prix. Donc, pour remettre la pomme de pin de la prestation technique, j'appelle Monsieur Alexander Orgutsov. La pomme de pin de la prestation technique est attribuée à Alexandra Sobolieva. Pour remettre la pomme de pin de la prestation technique, j'appelle Monsieur Boris Fedotov. La pomme de pin de la prestation technique est attribuée à Duo Vladimir. Alors, je dois bien vérifier quelque chose. Alexandra Sobolieva, c'était le pomme de pin de la prestation artistique, sauf que c'était bien marqué technique, donc j'ai lu ça, mais c'était artistique. Voilà, parfait. Et là, ce soir, c'est vraiment plein de surprises, vraiment. Donc maintenant, Edith Bernice, t'es où? T'es là, viens, viens, viens. La coordonnatrice des bénévoles. Je peux dire que c'est la maman à nous tous. On t'aime très, très fort. Je voudrais appeler Sandra, Valérie et Bruno, s'il vous plaît. Annie Fratellini disait le cirque, et le cirque est un rond de paradis. Madame Rosa Buglione, les gens de cirque sont des faiseurs de rêves, des passeurs d'illusions, des magiciens de l'impossible. Bruno Leloy a écrit: nous offrons une pause, une parenthèse enchantée qui nous fait redécouvrir l'instant magique du présent, qui laissera le cœur et les émotions prendre
avec bonheur le contrôle de notre esprit. Trois pensées qui se rejoignent. En un mot magique, celui du spectacle que vous venez de voir, des yeux de vos enfants qui brillent. Et pour nous, bénévoles, cette magie se reproduit chaque année depuis 20 ans. À partir de fin octobre, lorsque les camions Santus arrivent, que le chapiteau se monte, le technicien qui s'affaire, la magie des lumières de la compagnie Cocard, les musiciens, les artistes, tous se mettent en place. Carrie, Marco, Francis, Carmino, Guy. Et pour chacun de nous, 20 années de souvenirs, de rencontres, de retrouvailles que nous gardons pour nous comme des moments précieux et bien sûr magiques. Je suis émue. Tout cela, nous le devons à un trio de magiciens. Et croyez-moi, il y a eu de la très grande magie. Sandra, Valérie et Bruno, merci. Merci au nom de tous, au nom de mes camarades qui sont heureux de participer à cette magnifique aventure. Au nom de tous, je vous demande d'accepter ces souvenirs et ces objets. Maintenant, cher public, c'est le moment du palmarès. Pour remettre les deux pommes de pin de bronze, j'appelle M. Pete Dupinski et M. Milou. Les deux pommes de pin bronze sont attribuées à Maria Andreeva et Darken. Pour remettre les deux pommes de pin d'argent, j'appelle M. Dmitri Ivanov et M. Alexander Orgutsov. Les deux pommes de pin d'argent sont attribuées à Maria Sarac et Fraser Hooper. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour remettre les deux pommes de pin d'or pour cette 20e édition du Festival International des Artistes de Cirque de Saint-Paul et Dax, j'appelle M. Maxime Nicouline et M. Pavel Kotov. Les deux pommes de pin d'or sont attribuées à la troupe acrobatique de Dalian et Credo. Ouais.
termine le 20e Festival International des Artistes de Cirque de Saint-Paul-les-Dax. Mais on ne vous dit pas adieu, mais à l'année prochaine. Et rappelez-vous que vive le cirque! Looking like a dream.